Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Un journal essentiellement consacré sur la marche des laïcs catholiques de ce 21 janvier 2018. Les caméras du Vrai Journal ont fait la ronde de la capitale Kinshasa, Matongé, Kingabwa, Bandalungwa, Makala, Selembao, Bombo. Vous suivrez l'événement comme si vous y avez été. Un petit détour avec un nouvel ouvrage qui a vu le jour au CEPAS. Vous allez faire un clin d'œil avec le professeur Mbata, et la cerise sur le gâteau, c'est ce témoignage poignant d'une famille qui a été victime des atrocités de ce 21 janvier 2017. Vous faites mieux de choisir la meilleure rédaction de la RDC. Attachez vos ceintures. Bienvenue à tous. La marche des catholiques laïcs aura-t vécu dans les quatre coins de la capitale. Le Vrai Journal fait un zoom commune par commune. Descendons du côté de la commune de Kalamu à Matongé. L'église Saint-Joseph, qui a d'ailleurs connu la participation des acteurs politiques, figures de proue, dont Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Arnaud Massamba. C'est comment à Matongé, la deuxième marche initiée par les laïcs catholiques en vue du respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre. Comme les images l'attestent, après la messe, plusieurs Congolais étaient dans la rue, scandant des chants hostiles au régime en place, ovationnant au passage Félix Tshisekedi qui était parmi eux. La police, elle aussi, s'est invitée à la manifestation. La suite est tragique. C'est la répression à coups de gaz lacrymogène, des tirs comme témoigne ce jeune trouvé sur les lieux. Ainsi, la marche à Matongé aura vécu. Même scène du côté de Bumbu, où Bosco Kabamba est descendu sur les lieux pour nous faire vivre l'événement. Regarde. C'est depuis la paroisse Saint-Antoine de Bumbu que les chrétiens catholiques de ce diocèse ont arpenté les rues de cette cité avec comme chef de file Dieu merci Baba Kidi, vicaire de la paroisse. Tous ensemble sont descendus dans les rues avec une seule idée en tête. Répondre à l'appel de la marche lancée par la communauté des laïcs catholiques, il y a de cela plusieurs jours déjà. Ce pays ne lui appartient pas, le pays nous appartient à nous tous. Ce pays n'a pas de Mende, il n'a pas de Atundu, c'est affaire de nous tous. Arrivé sur le tronçon à Sosa-Bayaka, les manifestants rencontrent une résistance des policiers qui ont fait office de barrage. Mama,
Ensuite, les forces de l'ordre tentent de réprimer la foule venue assister à la marche à coups de gaz lacrymogène. Bilan des courses, deux blessés et deux autres personnes arrêtées par les forces de l'ordre ont fait les frais de cette marche qui se voulait pacifique à l'origine. À Bandalungwa, les tirs des gaz lacrymogènes et des sommations ont été aussi présents. Un mouvement qui se fait remarquer de tous, le mouvement des Congolais debout, représenté ici par son porte-parole. Hervé Diakissé n'a pas manqué de réagir quant à ce. Dans la commune de Bandal, hormis les ressortissants de ce coin, l'on a également noté la présence des militants du mouvement citoyen, les Congolais debout. Venus participer à la marche organisée par les laïcs catholiques, le mouvement cher à Syndicat d'Okolo était l'un des rares mouvements citoyens à braver la peur et la réticence afin de livrer la bataille contre la tyrannie et la dictature qui tente de s'installer en RDC. Nous sommes à l'église Saint-Michel de Bandal. La délégation de ces mouvements était conduite par Maître Hervé Diaké, c'est son porte-parole. Nous sommes là, on va marcher dans la discipline. C'est les institutions qui nous servent. Les Congolais debout sont là pour être avec nous. Alors, c'est une journée où nous espérons que les choses vont se passer dans le calme. Nous sommes décidés à braver la dictature pour défendre notre dignité. Nous savons que tôt ou tard, le peuple vaincra. Le peuple est toujours le plus fort. C'est les Congolais des plus. La messe terminée, un membre des laïcs catholiques rappelle au public les caractères pacifiques de leur marche. Les prêtres ainsi que les marcheurs empruntent la voie de la rue. Malheureusement pour eux, le cortège n'ira pas loin. La police qui était campée juste devant l'église va réprimer la marche. De cette répression, l'on va noter plusieurs blessés ainsi que beaucoup d'arrestations dont le mouvement citoyen Les Congolais debout exige la libération immédiate. Du chaud bouillon au niveau de Kingabwa dans la commune de Limété. La population a marché et lorsqu'elle a voulu être cueillie par la police, elle est allée se vautrer du côté de la MONUSCO. Vivez l'événement comme si vous y étiez avec le caméra du vrai journal. Là,
Banda la seyo. Le mot va témoin. Le mot va témoin. Abbé, bonjour. On vous voit très affaibli. Aujourd'hui, c'était une marche pacifique, sans armes, avec chapelet et Bible. Que s'est-il passé exactement? Vraiment, quelques mille jeunes qui sont ici, des paroisses Saint-Gonza. Notre point de chute était ici, devant la MONUSCO 11e rue, donc Guadeloupe. Et on est arrivé là. Alors, dès qu'on est arrivé, les tanks ont s'installé pour montrer notre banderole. La police est venue pour commencer à tirer des gaz. La police a tiré des gaz. On a tiré des balles réelles. Même des balles réelles. Au moment où je vous parle, là à la paroisse Saint-Gonza, il y a un jeune cadavre qu'on a jeté dans notre église là-bas parce qu'il a reçu une balle au niveau d'ici. Pour la marche, place au bilan. Les réactions vont bon train, les bilans restent partagés pour les uns et les autres. Du côté de la police, le porte-parole, le colonel Moana Mputu, parle de deux morts. C'est un son de nos confrères de Top Congo FM. Regardez. Des hommes bien identifiés ont fait appel à des délinquants Kuluna et autres dévoyés pour faire la marche en lieu place de chrétiens. Ces derniers ont agi tel que l'on ne peut attendre d'un tel groupe d'individus par des tentatives de pillage des maisons de commerce des particuliers, la pose sur la chaussée des barricades enflammées et des pneus brûlés, par le jet de pierres sur les agents de l'ordre, ainsi que sur les véhicules de passants. La police, dans sa mission régalienne de sécuriser et protéger la population, a dispersé ses fauteuils de troubles. Ainsi, les bilans se présentent comme suit. Deux personnes tuées par balles perdues, respectivement dans les communes de Kintambo et de Lemba. Dégâts corporels, 9 policiers blessés, dont 2 grièvement. Les enquêtes sont en cours pour éclairer ces cas de décès que nous déplorons. La police nationale congolaise saisit cette occasion pour reconfirmer que lors des manifestations organisées le 31 décembre 2017 par cette même structure, il n'a été enregistré aucun décès lié à l'intervention des forces de l'ordre. La messe organisée par les diocèses de Kinshasa, consacrée aux morts le 12 janvier 2018, n'a cité aucun nom ni précisé un lieu de deuil ou d'enterrement de ces victimes. Après cette sortie médiatique de la police, la réplique n'a pas tardé. Dans une déclaration, le CLC, Comité laïque de chrétiens, félicite tous les Congolais d'avoir bravé la peur et se dit rester déterminé à mettre un terme à la dictature en RDC et demande à la population d'attendre le prochain mot d'ordre. Regardez. Déclaration du Comité laïque de coordination. Ce dimanche 21 janvier 2018, à travers tout le pays, nous avons été à nouveau des millions à nous être mobilisés pour que nos droits soient respectés, que notre dignité soit rétablie, que nous puissions recouvrer nos libertés. Nous avons donc été ce jour plus nombreux que le 31 décembre 2017 dernier, à marcher avec nos bibles, nos chapelets, nos rameaux pour réclamer la même chose. L'application stricte et intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. La grâce de Dieu a pris la tête de notre combat. Encore une fois,
La réponse à nos revendications a été la répression aveugle, méchante, barbare. Encore une fois, le bilan est lourd, très lourd. Une dizaine de morts, des centaines de blessés et d'arrestations. Grande est notre tristesse, immense est notre douleur. Notre premier message va aux familles de ceux dont la vie a été injustement arrachée à notre terre. C'est le cœur serré que chacun de nous, selon nos convictions, nous nous inclinons pour saluer leur mémoire et présenter nos condoléances les plus attristées à leurs familles et à leurs proches. Nous nous souviendrons à jamais des martyrs et héros du 21 janvier 2018, comme ceux du 31 décembre 2017 et du 16 février 1992, et de tant d'autres qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays. Notre deuxième message va à tous nos compatriotes, aux centaines de milliers de Congolais qui sont sortis ce 21 janvier 2018 de leur lieu de culte, et aux prêtres, religieux et religieuses, qui ont courageusement accompagné le peuple de Dieu. Il vit en eux l'âme du Congo. Nous leur disons merci. Ils incarnent ce qu'il y a de plus noble dans l'homme face à la barbarie. Notre troisième message va à ceux qui n'ont pas hésité à couper les réseaux sociaux pour perpétrer leurs crimes en cachette, à tirer à balles réelles sur la population, à lancer des gaz lacrymogènes. Nous leur disons, nous n'avons pas peur et nous ne ferons jamais marche arrière. Nous irons jusqu'au bout. Nous l'avons déjà dit, il n'y aura plus de répit pour la dictature qui a plongé le peuple congolais dans une crise aussi ruineuse qu'inutile. Le comité laïque de coordination demande ainsi au peuple de Dieu de rester mobilisé pour répondre à son prochain appel. Tout à fait autre chose. Nous vous le disions en titre baptême du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. C'est une cérémonie qui a connu la participation des étudiants et professeurs d'université sous la direction de l'initiateur de l'IDGPA, professeur André Mbata. Pour la Kamaïndoa, Belgodon Mutombo. Grand public, cette ruée dans la salle de conférence du CEPAS à la Gombe. Une foule constituée d'étudiants et professeurs d'université. En ligne de mire, le baptême du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. La responsabilité sociale des universitaires en rapport avec la crise que traverse la nation congolaise était au centre du débat. Professeur André Mbata circonscrit l'événement. L'activité de ce jour, c'était le baptême du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Il était question pour les universités de s'interroger sur leurs responsabilités dans la crise. Parce que nous, intellectuels, nous autres professeurs d'université, nous faisons partie du problème du Congo. Et heureusement aussi, nous faisons partie de la solution. Donc il fallait que l'université se remette en question parce que nous n'avons pas toujours joué notre rôle. Nous n'avons pas toujours défendu la vérité. Nous n'avons pas toujours défendu les plus pauvres, ceux dont les droits sont violés, la justice, l'état des droits. Non. Parfois, certains d'entre nous sont devenus des garçons des courses des politiciens. Certains d'entre nous, pour des raisons du ventre, pour leurs propres intérêts, pour accéder au pouvoir, pour conserver les avantages du pouvoir. Poursuivant sur sa lancée, l'initiateur de l'IDGPA loue le travail élogieux que produit la rédaction du Vrai Journal et revient sur son combat dans la vulgarisation de ses articles. Faisons des efforts, vous vous rappelez la fois passée, le Vrai Journal, nous vous avons amené à l'université de Kinshasa. C'est pour faire cette symbiose-là. Vous êtes venu à l'université de Kinshasa, vous avez vu comment les étudiants étaient nombreux et très contents de vous voir, surtout qu'ils apprécient votre journal. Que dans le combat pour l'état de droit, l'institut que je dirige, l'IDGP a joué un grand rôle. Et depuis toujours, nous avons dit, nous nous sommes battus pour le respect de la Constitution. Dieu merci. Et il n'y aura pas de révision constitutionnelle du référendum, je l'ai dit. À présent, avant de baisser définitivement le voile dans ce journal, zoom sur cette famille victime. Un officier a perdu sa fille, Desha, au niveau de Kitambo. Suivez cet élément en grand format
nous y étions. Mon Afrique attaque à Babouasini, Saint-François, à Kéniké, à Poulanda pour se dire, et au combat ma soeur. Subitement, le Loubaké grise. À côté de l'église, à Sambéli, où est le Kalipuna, il en a pas quitté, par le Konaï, par Zalaki, il y a un avant-diwak. Moi, je n'ai pas commis, je n'ai pas bêté, je n'ai pas quitté l'église. Ti abe pour nazala ka cousin azala cousine ya abe abe azali pour prêcher la bonne nouvelle pe mais Cécile moya bi mezate balobi mwana na yo akufi abe a longoli sultani ya bini azuiko azuiko na ke kote kana mwana nga tambola ke mwana mwana kumbu mwana abe mwana Mwana Kapangala, Mwanza Deschate. Bonjour, Nazan Agen. 24. Je ne peux pas parler puisque je suis Nazali officier, Nazali policier. Hein? Je suis policier. Oui, officier. Mwana a poufi pour na bakondignon so bazalakia. Aner, Deniap, bakondignon so bazalakia. Bakangi déjà mort. Dans le salon de recherche, Bakangi est mort. Moutou, à Beta Kibel, Baïebi. Ba localisé. Ba localisé. Comment est-ce? Bon. Moi, je suis là. Passé, et ça n'est pas passé. Nazan émotion. Ndeko, Nazan émotion, c'est ma fille. Tango na zui affectation na Kisangani, commandant na Kisangani, na sali na Kisangani, na boti mwana wana kisasate na Kisangani, na bandi kupoko na mwana ngai, tito koli, parce que na kadra kabana, bana baebi, dona ngai, na kwa kadre mwana, mwana si kwa zenga, na zofu, na zofu, Pour cela, n'a pas non, n'indemnité que moi n'a pas fait, parce que abimi à la tiaque église, n'a moyen l'amba d'ayewana, n'a son baki, ça fait pas deux semaines les amis. N'a pas mon à l'opéra dessin, moi non et pour qui allait d'angaï. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Bonjour mon frère. Bonjour. Vous êtes JC. Oui. Vous êtes le frère de qui? De celle qui est décédée. Celle qui est décédée? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce matin, comme d'habitude, on a l'habitude d'aller à l'église. On est chrétien de l'église catholique. On était allé à l'église ce matin. Et puis, lorsque la messe a fini à 9h comme d'habitude, on devait rentrer à la maison. Lorsqu'on a voulu rentrer à la maison, c'était vraiment impossible pour nous. Car il y avait des antémètres, il y avait des policiers à Cagouille, il y avait des phares d'essai. Et c'était vraiment bloqué. C'était impossible pour nous. On a voulu au moins forcer pour sortir de l'église et des lacrymogènes, des bombes lacrymogènes. Puis c'était un peu ça. On est retourné à l'église. On a voulu encore faire pour la deuxième fois, c'était la même chose. Lorsqu'on est rentré, et puis on a dit d'accord. On ouvre cette porte-là, la petite porte-là, on peut y sortir là-bas. D'accord. Lorsqu'on a voulu faire ça, alors maintenant, il y a eu des lacrymogènes jusqu'à l'église. C'était derrière l'église. Donc l'église était mal appris. Alors nous, on devait au moins quitter l'église à tout prix. Comprenez? Alors lorsqu'on a voulu au moins quitter l'église, moi je suis sorti par la petite porte. Et puis j'ai attendu au moins 5 coups de feu. Avant, il y avait une. Il y a eu quelques 10 secondes et puis il y a eu directement 4 coups de atma. Et puis en sortant, j'ai dit, je suis venu avec moi, ma grande sœur, celle qui est décédée, et notre cadet.
Ok, j'ai voulu au moins, lorsque j'ai écouté des coups de fil, j'ai voulu entrer à l'église. En voulant entrer par la petite porte, c'était encore impossible pour moi parce qu'il y avait de Jisir là, Rengalima, il y avait d'autres antimètres là. Alors, je suis retourné dans une avenue là, alors je voyais du commerce, ça se passait, alors je faisais tout que je puisse entrer. Lorsque je suis entré et puis, donc notre sœur était touchée. Et puis elle était encore là, lorsqu'on a voulu aller à l'hôpital, c'était impossible. C'était vraiment impossible parce que la police, il y a eu des gens, même moi je ne pouvais même pas, il y a eu des amis, et notre oncle qui était là, elle a pris le corps, on devait au moins sortir pour aller à l'hôpital vite fait. Alors, il y a eu un petit problème parce que c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de transport et on a fait signe. Il y a des blessés. Il y a un qui nous a dit approchez. Mais un autre a dit ah, ben néné, batikaye. Mettez sous coup de gaz. Donc, c'était difficile pour nous. Jusqu'à ce qu'elle est morte juste à l'entrée de l'église. Je sais, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Ça t'a fait quoi de perdre une grande soeur dans cette situation? À mon niveau, tu sais, lorsque c'est, on tue des gens dans la rue, tout ça, il y a de moins en moins de recourir à la police, aux justices. Au moins, vous allez avoir une bonne solution après, même si ça prendra du temps. Alors, à notre niveau, quand même, donc, je sais pas comment est-ce que je peux me dire que comment est-ce que je me sens seulement faible et incapable. Ce que je peux dire, c'est ça. Je peux pas aller très loin, mais ce que je peux dire. C'est ça. Tout se paye ici bas. Merci. Le vent de rebase est à la puce maman. Quoi expliquer dans une ligne comme elle est. Thank you.
C'est par ces images tristes que nous baissons complètement le voile. Merci de la sympathique attention que vous avez accordée du côté de la commune de Kitambo à Kinshasa, capitale de la RDC et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.